hop, on se retrouve du coup pour la suite de notre petit donjon qui se passait hyper bien. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Bonjour la VOD. Ouais, coucou la VOD, ça se passe super bien. Cet homme ne vous ment absolument pas. Mais non, mes viewers ont confiance en moi. Écoutez sa voix, tout se passe bien. Chobiti derrière, calme. Il en reste. Merci quoi. Oh non, mais juste au moment, ils font rien, quoi. Ils attaquent pas, putain. Oh, les gars, ils créent des pièges. Des pièges qui font 4 de dégâts. Oh, il y a un coup à jouer, là. Il y a un coup à jouer si tu peux bouger les gros sur les pièges à 4 de dégâts. Ouais, attends, mais ils sont à 10 cases les uns des autres. Ouais, c'est pas possible. Alors, moi, je te dis des trucs. Toi, tout de suite, tu... Hein, voilà. Voilà. Enfin, tu mets de la mauvaise foi, là. Ah non, mais là où je suis blasé, c'est que les squelettes ils tapent pas quoi. En vrai, avec les sauts ou autre, on peut peut-être jouer un truc. Moi, je peux quand même faire en sorte que le démon de givre d'élite il tape ses potes quoi. Ce serait toujours ça de prix. C'est pas ouf, mais. Ouais, si t'arrives pas à passer son armure. Ouais, non, ça sert à rien. Mais en fait, la retaliate passe les armures automatiquement. Donc je me disais, si je joue avant eux, je me mets en retaliate. Ils me frappent tous une fois et je tue les trois en fait. Ouais, c'est vrai qu'ils ont pas beaucoup de vie, ouais, mais. Alors là, si vous touchez à rien, les démons de feu, je les tue ce tour-ci. J'adore quand il dit ce genre de truc. Bah écoute, du coup, ce que je vais faire, c'est que genre, je vais dire que lui. Oh, les squelettes ne tapent pas. Bah ouais, ils tapent pas les squelettes, ouais. C'est pour ça que du coup, ça me fait un peu chier, mais bon, j'aurais préféré qu'ils tapent, mais tant pis. Et du coup, je vais aller là. Ils se déplacent de combien les autres cons là? 1-2-1, ouais, donc ça va. Je vais aller là. Alors ça fait un peu chier de lui mettre confusion, mais bon. Ouais, la riposte aussi. Ouais, la riposte, on peut la subir la riposte. Allez, il est empoisonné, c'est déjà ça. Et normalement, il va attaquer ses potes, si j'ai bien compris le concept. Bon, il aura un désavantage, mais il va attaquer ses potes quand même. Bon, par contre, je te fais 100% confiance sur les démons. Hein. Bon, en fait, je vais tuer ceux qui sont pas élites. Ah, bah, déjà ça change, tu vois. Ouais, ouais, d'accord, on est d'accord. Dans 10 secondes et demie, il y a plus rien, il se passe plus rien. C'est pas ce que j'avais entendu, on est d'accord. Hein. Non, mais. Bon, salut, je pense que c'est le bon moment pour récupérer tes cartes. Hein. Oh, merci. Ouais, Homer. Ouh, Homer. Ah, du coup, t'as pas récupéré les cartes? Non. Okay. Je vais faire un repos long encore. C'est vrai que c'est pas con, ouais. T'en as encore deux qui sont juste en défausse. Puis comme il m'a dit qu'il allait tuer 5 personnes en une fois... j'ai entièrement confiance. Hein. Je comprends. Tous les adversaires sur qui on tape là, ouais, c'est vrai que c'est. Ah, oh, ça fait chier, je voulais ben. Ouais, mais tu vas taper le rat aussi. Vas-y, hein, c'est pas grave, hein, je peux encaisser un dégât. Hein. Ok. Il aura pas fallu longtemps. Hein, mais tu peux faire, hein. Tu peux faire un peu semblant que ça te rend triste, quoi. Ah, elle était pas mal celle-là, ouais. Oh la vache. En plus, les squelettes ils vont soigner donc c'est ton truc. Hein. Oh, c'est déjà fait, c'est déjà ils fait. Ils sont déjà soignés, ouais. Ah, c'est vrai que quand ils soignent, ils jouent vite. Ouais, c'est pas ah oui, ça passe les armures. Ouais, c'est des dégâts naturels. Ouais. Chez G. Je peux pas dire le contraire. Et t'aurais utilisé ta puissance, ton truc de puissance, tu tuais l'autre. Oh mais non. Oh bah c'est triste ça. Ça augmentait pas les dégâts naturels. C'est vraiment non, triste. Par contre, ça veut dire qu'il a utilisé 2 de tes jets pourris sur le dé. Bah il a utilisé les siens je crois. Ouais, il a utilisé les siens. Bon cela dit, j'ai plus rien à part un fois 0 moi. Mais... Peut-être ça se trouve je vais prendre la bite. Hein. Il y a de la glace, je peux étourdir en consommant la glace.
Attends, mais là c'est pire, là, on l'a bien cassé là. C'est vrai que c'est dommage hein, parce qu'il aurait, fait les ripostes sur, sur les squelettes. Ah, il fait combien de dégâts en riposte là, lui là? 2. Ah oh, putain, c'est chaud, 2. Hein. Ouais, c'est chaud. C'est tendu. 2 de riposte, c'est tendu. Et les autres, ils ont 1 à la riposte. Ouais, mais ils ont pas, ils ont pas de poison du coup. Je pourrais l'étourdir quoi, c'est l'intérêt, mais après je me bouffe le dégât quoi. Puis je force un des mecs à faire une attaque 2 sur un de ses potes quoi. Je suis encore en vie. J'avais pas vu Galden, merci pour ton follow. Bon, ça fait 54 minutes. Que mais... Je pense qu'à la fin de ton tour, j'utiliserai ma cape d'invisibilité pour si j'étais toi. Ouais. Je pense que ça va être parce tout que là à comme fait ça dans le tes thème, deux ouais. pets ils vont prendre leur dose. Peut-être même moi qui vais prendre ma dose, mais bon tant pis. Ouais, il me restera un PV normalement donc carrément ouais. Avec un peu de bol je peux le tuer même si ça me paraît assez improbable. Ouais enfin on va parler des photos que t'as fait depuis le début sur les élites. Propre. GG Exebus. Voilà, c'est ça qu'on aime. Et boum, et là tu vas reprendre un dégât. Et bon, ah ouais, désolé. Mais alors là par contre, du coup je vais pas pouvoir prendre la riposte là. Faut que je crame une carte du coup. T'as pas ta potion de soin? Bah non, puisque j'ai l'anneau. Ah. Ouais bon. Non, bah tant pis. Pas taper alors. Hein. D'ailleurs c'est con, j'aurais peut-être dû encaisser puis... Cramé pour la riposte. T'as récupéré voilà. Un point de vie là. Oh ça fait mal. Voilà. Ouais mais moi aussi je vais tellement manger. Bon, ouais mais bah... t'es pas obligé d'attaquer ce tour-ci, t'as vu tout ce que j'ai déblayé, il reste plus qu'un mec à 5 PEV et il faut qu'on récupère les deux coffres. Non moi je note que tu essayes de me tuer, c'est tout. Oui, mais pour gagner, j'ai une bonne raison, non? De toute façon pour tuer un petit rat comme ça. Pas besoin de raison. et ton rat attaque là par contre il pourrait aller un petit peu plus d'entrain pour aller à la guerre. Ah ouais, il pourrait aller un peu plus vite ouais. Donc bon, c'est bah, annoncé la brute, on sait qu'il va déjà aller au coffre. Alors je vais pas pouvoir looter ce tour-ci donc ça serait bien que lui survive juste ce tour-là là, le démon de givre. Donc si vous pouvez lui mettre un petit étourdissement c'est cool. Histoire que le tour prochain il nous emmerde pas et qu'on ait le temps de faire ce qu'on a à faire. T'as vu comment il nous commande? Bah ouais, non, je voulais essayer d'aller chercher le coffre, mais tu dis que tu veux pouvoir y aller. Bah écoute, je vais prendre de l'or alors. Mais attends, moi le coffre de gauche, je le prends. Je vais avec la brute, je le prendrai, mais il y a le coffre de droite à aller chercher. Le coffre de droite, tu ouais, peux bah tu choisis. Soit je mets un étourdissement, soit je prends le coffre de droite. Je peux pas faire les deux. Parce que tu peux prendre le coffre de droite là avec toute ta putain de vitesse là. Bah non, je pourrais pas tout de suite maintenant, mais. Ouais, oui, tu t'économiseras pas le point de déplacement. Non, déplace-toi, t'inquiète. Je peux le tanker un tour ou deux, et t'as les pets en plus qui seront dessus, ça va aller. Je cours. Les pets, ils vont se faire buter à la retaliate. Je vais quand même prendre ça. Je sais pas, mais t'as raison. Oui, parce que t'as joué en premier, donc... Attends, mais on est d'accord, quand t'es invisible, tu prends quand même les dégâts environnementaux. Oui. Oui. Ouais, si tu me pour savoir. Si tu okay. me sautes dessus comme une grosse fouine, je prends des dégâts. Bonsoir Mathéo, bienvenue sur le live. Ça sera pas comme une grosse fouine, mais oui, c'est possible que je te saute dessus. Ah oh, putain. Cet homme n'a aucun honneur. T'es pas du genre grosse fouine, toi. T'es du genre franco dans le tas. Tu m'as quand même fait plus de dégâts sur ce tour que tous les ennemis depuis le début de la game. Hein. Les deux parties comprises. Tu t'arrêtes à des points de détail, effectivement. Des choses qui peuvent mal se passer. Non, bon, hein. On est entre adultes. On est entre adultes, exactement. Se faire sauter dessus. On s'est tous donné rendez-vous à poil, je veux dire. Voilà. Bon, bah du coup, qu'est-ce qui me reste comme carte? Un déplacement qui soigne un peu. Il me faudrait ces deux-là. Si je crame une de ces deux-là, ça fait chier. Est-ce que je peux me permettre un repos long?
où c'est chiant de perdre un tour. Après, je peux me déplacer de 5. De 5, c'est pas énorme non plus. 1, 2, 3. Ah putain, puis il y a les caillasses en plus. C'est pas assez, 5. Il va te falloir 6 là pour y arriver. Ouais, le max que j'ai c'est 5 là. Je peux faire un repos long, me déplacer de 5. Et après, je serai épuisé juste devant le coffre. T'es triste? Et si tu fais un repos court? Attends, t'es en train de me dire que là tu vas pas y arriver quoi qu'il arrive? Bah, je regarde, mais. Avec un repos court? Avec un repos court, bah avec un repos court, si je crame pas les mauvaises cartes, je peux me déplacer de 5 aussi du coup. Vu que je peux pas relancer, vu qu'il me reste un PV, je suis obligé de. Si jamais ça tombe sur une mauvaise carte, je perds tous mes déplacements quoi. Mais après, j'aurais cramé une carte donc j'en choisis deux, il m'en restera une. Non, non, c'est mort, je peux pas y arriver. Tant pis, 2, 3, je peux 4, 5, finir 6, le 7, truc 8, par contre. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Il va me falloir 10 watts millions de tours pour y arriver. T'as du déplacement au ref ou pas? J'ai encore ma carte de déplacement. Bah j'en ai besoin. Parce que toi avec ta carte de déplacement de 8, t'arrives jusqu'ici. Au tour d'après, tu te sortiras un 3 et on est bon. Hein. Mmh. Ouais. Ça peut s'envisager. Ou alors la question, est-ce que je prends mon éther revigorant maintenant? Je fais un repos long, je crame une carte. Ah oui, mais ça va me tuer après. Je suis obligé de le craquer maintenant, l'éther revigorant. Pour récupérer mes cartes brûlées. Donc ça fait quoi? Ça fait... C'est chaud. Deux tours. Il nous faut 3 de ce tour-là plus 2 tours. Il nous faudrait 3, pour arriver 4, jusque 5, là-bas. 6, 7, c'est faisable, 8, hein. J'arrive là. Il me faut 1, 2, 3. Ouais, c'est faisable. Au pire, on attend encore 2 tours. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, puis les bestioles, elles vont tanker. Hein. On peut se barrer et puis... Bah là, il a plus son bouclier. Donc si ça se trouve, il va même manger sa race. Hein. C'est possible qu'il meure avant qu'on arrive à choper le deuxième coffre. Le premier coffre, je joue en 10, normalement je suis censé pouvoir le récupérer, mais le deuxième, je sais pas. Déplacement, attaque 3, portée 2. Bah, je fais exprès, je fais un repos long, comme ça ils joueront très tard les monstres. Nice. Comme je suis invisible, je peux me permettre de rester là. Et je peux pas soigner. Pourquoi non mais t'en fais pas pour le soin, déplace-toi. Ah, je peux bouger deux. Non ouais, déplace-toi. Ouais, deux, gagne tes deux cases, ouais, ce sera toujours deux cases. Quoi. Le soin t'en fais pas, y a pas de. De toute façon, il va prendre 3 et il peut l'encaisser. Alors qu'est-ce qu'il va nous piquer cette fois encore lui? Désarmer un coffre. 15 pièces d'or. Gros radin. C'est cool. Gros schlag. On sent la jalousie chez les gens. Voilà, ça c'est pour ta jalousie, ça, tiens. Moi, je m'arrête juste devant le coffre. Incroyable. Allez, tu vois? C'est trop gentil. Je sens que t'as forcé quand même. J'ai trop peur de sortir un plus 2 ou un fois 2, donc je l'attaque pas. Tu sais qu'avec tes conneries, on va encore se retrouver tous à sec. Ah mais ça se trouve, le squelette va le sortir là. Ah ouais. Costaud le petit squelette quand il s'y met. Hein. Bah tu sais, avec un petit plus 1, c'est toujours pratique. En fait, t'as pas tant de déplacement que ça avec le Wyrmling. Bah, je les ai cramés surtout. Tu fais un repos court là au ref, on est d'accord? Non. T'as pas besoin de récupérer de points de vie, tu repères un point de vie si tu perds. Pourquoi tu veux que je fasse un repos? J'ai cramé ma carte pour récupérer mes cartes cramées.
Ah mais oui, c'est vrai, donc t'as une main complète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à une case près. Goddammit. C'est la vie. T'as pas une carte qui se déplace dans l'autre truc? Non, t'as pas ça, toi. Non, à moins que tu puisses me taper et me pousser dessus. J'ai pas pris le truc qui permet de prendre le contrôle d'un pote et de le faire se déplacer. Donc. Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Oh, et le bard. Oh, le bard. Oh, tu te rappelles le bard? Il me fout le bard. Le bard et le Cthulhu. Oh, putain. Tu te rappelles des carnages qu'on a fait avec ces deux-là? Ouais. Il commence à frapper un peu dur, là. Ouais, mais là c'est mort. Tu vas le tuer? Ah putain, ah, non, c'est l'invocation, j'y peux rien. Oh, dommage. Non, mais t'inquiète, c'est pas. Alors là. On ramasse l'argent. Non, piège 2. Ah, piège 1, 2. Ouais, mais faut d'abord qu'il bouge, donc il peut pas faire le piège. Bah ouais. Il est pas obligé de bouger. Pille tout. Mais il peut pas arriver jusqu'au coffre? Ouais, non, mais le piège 2 pour récupérer. Le piège, il marche pas sur le coffre, je crois pas. Non, ah, je sais pas. Non, mais si j'utilise mon truc d'attaque. Pas jusqu'au coffre. Non, ça marche pas. Et toi, t'as pas une attaque pour me bouger? Ah non, j'en ai une carte, mais elle fait rien. Et si je passe l'attaque, je gagne quand même l'XP ou pas? Non, faut la consommer la carte. Ouais, on est d'accord. Je veux pas attaquer Xebus, bon, c'est nul. Tout ça pour ça. Non, bah j'aurais essayé. Hein, mais... La tristesse, regarde. Regarde la tristesse. Et j'aurais eu les bottes plus 3 de mouvement, c'était bon. Ouais. Regarde la tristesse. Tu le vois ce petit coffre devant toi? Mais t'aurais pu ramasser les pièces là, ou bref. Maintenant qu'il a son anneau, il s'emballait. L'anneau, c'est pas moi, c'est lui. C'est moi qui ai pris l'anneau. Mais il y en a pas un deuxième qui traîne? Ouais, un deuxième. J'ai pris l'arc. L'arc, il a fait le taf. Hein. Il a eu, t'as tombé un fois 0, mais il aurait fait le taf. Hein. Oui, il aurait tué l'élite, quoi. Mais c'est pas ça, c'est que j'en ai aussi qui ont des multi-cibles, donc. Quand tu fais 3 dégâts en multi-cible. La faille semble inerte. Perplexe, vous ramassez une pierre et la lancez dans sa direction. La pierre disparaît dans le néant. Et si vous traversiez vous-même, pourriez-vous seulement y survivre? Il faut chercher un moyen de fermer cette faille. Une enchanteresse Esther via Havre-Nuit. Barrons-nous en laissant la faille là du coup. Ah, j'ai gagné un nouveau. Elle demande des faveurs impossibles, quoi. Bon bah avoir au minimum 5 cartes au total dans la main, c'était mort, hein. on a tout donné là. J'ai gagné 11 XP de capacité, pas mal. Ah non, Perse Esprit, c'est pas moi, c'est toi ça. Moi je suis le petit sort. Et avec leur nom bizarre là aussi, hein. Il s'appelle Malice, c'est pas bizarre. Non, parce qu'il y a écrit Perse Esprit, il y a pas écrit 6 XP, ouais, je prends. Nouvelle zone de quête, le plan du pouvoir élémentaire. Ça sent l'arnaque. Ça sent le tas de cendres. La caverne jolie. La cave toxique. Parfait. Ah oui, et là on est dans un cas où on peut enchaîner et du coup on n'a pas de rencontre si on le fait, quoi. Mm-mm. Plonger dans la faille. Mais moi par contre, je vais arrêter là si ça ne vous dérange pas. Ouais, moi aussi. Moi aussi je travaille demain. Je suis pas contre enchaîner la prochaine fois, mais. Ah, mais en plus, là, on est obligé de faire les quêtes d'histoire, là. Bah, en fait, là, le truc, on le gameplay, choisit, c'est qu'on fait. on peut rentrer en ville si on veut, faire et puis revenir plus tard, mais si on revient plus tard, on aura une rencontre. Alors que si on enchaîne tout de suite, on n'aura pas de rencontre, du coup. T'inquiète pas, Mawa, j'arrive, on a fini. Ouais, on va s'arrêter là. On les a bien finis. Alors du coup, est-ce qu'il y a des gens à raider? Ah, c'est vrai ça. Ouais, je peux faire un petit raid. Bon bah du coup, je vais couper la VOD là, et puis on va se faire un petit raid chez 119 minutes qui fait de l'Europa Universalis du coup. Ah, et si nous, si on va s'arrêter là, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée les regardeurs,
Allez, bye bye tout le monde, et bye bye la VOD. Bye bye.